Parfois avec démon ça peut être sympa. Et mort-vivant sinon. De base mort-vivant. On va passer un sacré bon moment, je vous le dis. Et non, je suis pas con. Un con serait sub. Oh, une embuscade. Je sais pas si c'est con d'être sub. Tu penses? C'est plutôt bien d'être sub, non? Justement, c'est plutôt malin, je trouve, d'être abonné. T'aides un créateur de contenu à pérenniser son travail et donc à continuer à proposer des lives qui font progresser. Donc c'est assez malin finalement, tu payes peut-être, soit tu t'abonnes gratuitement, genre avec Amazon Prime, soit tu payes genre, je sais pas, ça doit être, c'est moins cher en ce moment, mais ça doit être 3 balles à peu près l'abonnement, pour 3 euros, entre guillemets, tu peux profiter de, ça dure un mois, hein, c'est ça, l'abonnement, d'un mois, de pédagogie et de divertissement sur le jeu que t'apprécies. Moi je trouve ça assez malin de s'abonner. Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas. Après il y a ça qui est pas mal aussi. Je crois que ça fait plus de stats. Donc on trouve Anna du baraque. Tout à l'heure on a fait une game sympa en mort vivant, c'est rarement fun. Mais quand t'arrives à monter vraiment beaucoup d'attaques, c'est assez rigolo. Faudrait trouver rapidement un Anub. Sortir une réponse aussi calme et posée un vendredi fin d'après-midi, franchement respect. Ouais, c'est dans ma nature, moi, je suis assez calme. C'est gentil, merci. Peut-être faut up là, non? Tout le mérite est pour vous. Plein de crânes nazis. Ce serait contre-productif de lui rentrer dedans. C'est vrai. Tu vois, là, j'ai dit, j'ai répondu calmement. Et derrière, il m'a proposé de s'abonner à la chaîne si je faisais un top 1. Alors que si je l'avais insulté... Par contre, dès qu'il s'abonne, je le banne live. Plus vous cherchez des noises de sitôt. Il y a un up qui existe. Ça c'est cool après. Le problème c'est qu'il n'y a que ça et... Ah remarque, peut-être ça. Ouais.
Ah ouais, on fait ça pour, sur le... Ouais, j'ai envie de up. Non mais faut up là. Mais ouais, on va... C'est en talent, je sais pas pourquoi il y a... Il y avait deux gars qui discutaient dans ma tête. Mais non, 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 faut up là. Ouais, ouais bah oui. C'est en T24 qui a les bons morts-vivants, on va pas rester en 3 enfin. La rinca sur le pirate, ça proc pas la découverte, non. Non, t'as raison. Non, non, mais dans tous les cas, là, il y avait que deux trucs qui m'intéressaient, c'est ça. Le reste, c'est vraiment trop, trop mauvais. Et puis en 4, je peux vraiment avoir accès aux bons trucs. Surtout que là, il y aura le bibelot, ça va peut-être coûter cher. J'aurai pas forcément l'argent pour aller dans la 4. Donc... Vous avez réussi. La ville est en sécurité à présent. Winderzolt. Ouh, les 12 ça fait mal là quand même, c'est un peu exagéré 12, je trouve. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Le mort-vivant ? Oh non, pas ça. Je voulais Prima pour une fois de ma vie que je veux Prima. C'est vrai, non? Je voulais Prima. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Mort-vivant cri de guerre, let's go! Ah, si, là, s'il a un peu abusé, j'avoue. Oh, je sais pas, il m'en voulait, je crois. Franck Zillo et Freeze, ça coûtait trop cher? Xylo, c'est pour de la tempo. Et en T25, ça m'ennuie quand même de faire de la tempo. Faire de la tempo ici, ça voudrait dire que je me suis fait traumatiser sur le combat d'avant. Tu vois. Ok. Où est le combat ? Quelle adresse ? Je suis épaté. Ouais, je vais là-haut.
J'hésitais avec le Trouble l'œil. Trouble l'œil, il va dans plus de compos. Mais si je veux jouer Murloc, l'autre est mieux quoi. Lui, l'avantage c'est qu'il est fort immédiatement. En fait, ce qui m'a rassuré, c'est qu'il est taverne 5 aussi. Donc logiquement, ces créatures, elles sont bas de coup. Donc même s'il gagne, il va pas me mettre un milliard. Je pense, hein. Ouais. Ouais, ça va, ça va. Ça va aller, je prends que des coups de 10 et de 12. S'il vous plaît. Ne vous en veuillez pas trop. Mais il arrive maintenant. Je me fais... Il m'a vraiment trollé lui, hein, sérieux. Pourquoi t'arrives pas avant? Tu n'es jamais piqué. Il n'y a jamais aucun joueur, à part quand t'es apparu, il y a un an, qui t'a joué. Là, je voulais te jouer. Bah ouais, mais c'est trop tard maintenant, je suis vraiment désolé, mais t'arrives beaucoup trop tard en fait. Jamais vous énerver. Ouh, il y a massacreuse Drakkari. C'est lent. Hein. C'est lent, mais c'est fat. Hein. Non, mais on a ça. Hein. D'avoir du renfort. Écume de perles, guidez-nous. Qui on peut se fier. Vous êtes en bonne voie. En
fait, j'ai considéré que j'étais mal, mais en même temps que j'étais bien. Mais c'est pour ça que j'ai pas voulu partir sur Massacreuse. Si vraiment j'avais considéré que j'étais purement mal, j'aurais pris Massacreuse Dracari, parce que c'est très fort et c'est 100% top 4. Mais là, je me dis, il y avait vraiment un monde où je peux faire top 1 dans cette game. Alors peut-être que non. Mais je l'ai considéré. C'est quand vous voulez. Ça déjà c'est pété. Pas confiance non plus. Une action qui rapporte. Trouver un sacré bon filon, ne lâchez pas. Ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Encore à découvrir. Et voici l'étape... Plus rien ne vous arrête à présent. D'avoir du renfort. On pourra toujours y revenir plus tard. Vous avez réussi! La ville est en sécurité à présent. Oh!
sauvages pour rien. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Je pense qu'il vaut mieux essayer de gagner maintenant plutôt que d'avoir plein de murlocs en main. Je veux accélérer la game là. Je veux jouer la finale au prochain tour. Mais le choix était difficile. Le choix était difficile. Il s'en sort bien. J'arrive à adorer ça. L'or est à vous. N'allez pas le dépenser en une seule fois. Ça, c'est vraiment fort, hein. Ce double poison là, poison, en fait ça poisonne tout. Ça avec Roi Lich, c'est hyper intéressant. Mais vous voyez pourquoi je suis parti sur Murloc avec ça? Parce que dans le lobby il n'y avait pas mecha. S'il y avait eu mecha, je serais resté en mort vivant. Donc là c'est les mechas en fait qui m'ont fait jouer ça. C'est important d'arriver à comprendre ça. Parce que je sais qu'au routeur lyrique, quand il n'y a pas mecha, bon après il peut y avoir mort vivant qui nous bloque. Mais bon, mort vivant à côté de ça on a un peu de stats. Mais mecha ça sert à rien quoi. Bon, Murloc contre Murloc, mais on a peut-être un avantage en range. Peut-être, pas sûr.
plaisir de faire affaire avec vous. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Vous avez soif? Je ne fais qu'un avec les épines. Avec les épines. C'est drôle, ça. Une action qui rapporte. Votre propre ruée vers l'or. Allez, petit ré. Ce serviteur, c'est un habitué. C'est toujours utile d'avoir du renfort. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. On le taunte lui aussi, non? Peut-être. Faut vraiment qu'il meure. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Bah écoutez, on a pas mal de poison, on a pas mal de stats. Faut savoir que Murloc, ça a quand même été nerfé assez violemment, hein, parce que passer de 6-6 à 4-4, c'est quand même... surtout que là, on l'a fait en transition. Donc on n'a pas commencé en Murloc, donc on n'avait pas de bibelot Murloc, on n'a aucun bibelot Murloc. Le board peut paraître faible, mais sans bibelot, je trouve qu'on a fait un vrai bon truc. Et je pense qu'en scam contre scam, on est devant, grâce à notre pouvoir. Et à ça aussi. Ouais. Ouais, elle est belle cette gamme, hein. Elle était difficile, hein. Mais Murloc, c'est toujours cool, hein. Murloc, c'est quand même toujours cool. Magnifique. Et notre ami va pouvoir s'abonner, c'est vrai, il a dit top 1 égale abonnement, bah voilà. Incroyable.